Je vais quitter mon statu quo. Majo la coble avadosika. Je vais quitter l'argile pour aller alors. Quitter les pierres pour aller au fer. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. Élève tes deux mains. S'il y a un Dieu que nous donnons adoration et nous espérons ce Dieu, il est notre rocher et il est notre abri, que son nom soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Si c'est lui qui domine toutes les puissances, et quand il invoque, il répond. Lui qui a dit, ceux qui méditent sur ta personne, ils viendront pour t'appeler nation de l'Éternel. Celui qui a dit, c'est l'arbre qui a été planté au bord d'un courant d'eau. Si c'est lui qui a dit cela, et il a confessé disant, toute chose que ta main va toucher, tu le feras avec perfection. L'esprit de Dieu est posé sur ta vie. Afin, avant d'écouter toute chose, que le sang te purifie ce soir. Que les souillures cessent leurs œuvres. Que la touche divine soit en nous. Et qu'ils combattent les choses qui combattent dans ta vie. La boule, les souillures qui résident dans ta vie. Alors que les œuvres qu'on va accomplir ce soir, que tu ne peux plus les avoir. On proclame que Dieu t'a purifié. Je t'appelle bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout m'a entendu, dis amen. Assieds-toi dans la paix. Nous sommes dans l'enseignement. Comment opérer ou bien comment agir pour devenir riche? Tout m'a entendu, dis amen. Que dois-je faire pour être riche? La première des choses. Tu es maître responsable de tout ce qui arrive dans ta vie. Tu ne dois plus donner la faute à quelqu'un. S'il en est ainsi pour toi, tu as quitté déjà ce stade. Si tu as compris que c'est ta responsabilité, tu as quitté un stade. La seconde chose, qu'est-ce que tu recherches? Les grands sages, si tu connais ton objectif, c'est une puissance. La main de Dieu est posée sur la vie de quelqu'un. La troisième chose, ta pensée doit être juste. Tu dois avoir de bonnes pensées, idées. Et que si ta pensée n'est pas positive, tu n'as pas une pensée positive, mon enfant, tu seras ce que tu penses de ta pensée. Tu as de mauvaises pensées dans ta tête. Tu donnes la puissance à Satan de détruire ta vie. C'est pour cela ce soir. Il y a la quatrième révélation. Écoute. Tu ne dois pas opérer ou bien venir pendant les 12 semaines et demeurer au statu quo. C'est une erreur. Tu ne peux résider ainsi. C'est pour cela que nous prêchons la prêche normale. Mais aussitôt on fait la conférence. Ce qui fait que tu dois être intelligent. Tu dois devenir ce que tu veux. Le quatrième point. C'est une révélation cachée que je vais te confier ce soir. Dis-moi amen. Prenez l'habitude d'agir. C'est une habitude pour toi. Que tu dois savoir comment emboîter le pas. C'est un grand code. Si tous les jours tu recherches quelque chose et que tu ne le remets pas au lendemain, je vais le faire après, et que tu te lèves aussitôt pour agir, tu as dominé les situations, tu as dominé toutes choses et rien ne peut t'arrêter. Si tu recherches quelque chose, que quelqu'un me donne de l'argent. Si tu cherches quelque chose, si tu recherches quelque chose, qui aimerait apprendre les 2000 francs, qui désire cet argent. Hallelujah. Amen.
Je l'ai dit une fois, deuxième fois, troisième fois. Avant que les gens ne viennent, si tu recherches quelque chose, on se lève aussitôt. Si tu m'as entendu, dis amen. Si tu veux quelque chose, on agit, on se lève aussitôt. Avant que les 12 semaines ne s'achèvent, tu as reçu de la puissance, tu as reçu de la grâce. Pour que si tu recherches quelque chose, tu puisses emboîter le pas. Beaucoup ont peur. Quand tu recherches des choses, ils ont peur. Et les gagnants dans une course, ce sont des gens qui emboîtent le pas. Les perdants, ce sont des gens qui sont stagnants et pensent sur la chose. Cette rencontre ne va pas s'achever pour que tu demeures ainsi, cet enfant de Dieu. C'est pour cela les gagnants. Ce sont des gens actifs. Si tu m'entends, dis amen. Si tu recherches quelque chose, et si cela vient dans ta pensée, tu dois te lever aussitôt. On proclame la liberté de quelqu'un. Les perdants, ce sont des gens passifs. Ce sont des inactifs qui n'emboîtent pas le pas. Nous brisons les jougs dans la vie de quelqu'un. Tu peux t'arrêter quand tu recherches quelque chose. Ou bien tu as pris quelque chose et quelque chose pour être arrêté. Nous arrêtons tous les jours pour le nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Être actif. C'est un médicament contre la peur. Si tu as peur de quelque chose, lève-toi et rencontre, confronte la peur. L'action est le remède à la peur. Amen. L'action est le remède à la peur. Si tu as peur, et tout là, tu es là au noir. Tu dois te lever et agir. Si tu es stagnant, ayant peur, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. L'onction avec laquelle on pose les actes, qu'elles sont posées sur tout le monde dans le temple. Amen. Si tu m'entends, dis amen. Hallelujah. Amen. Et tout là, tu gymnes. Tu dois savoir ce que tu recherches exactement. Tu dois être positif. Si l'occasion se présente, tu dois emboîter le pas. Si tu m'entends, acclame Jésus. Les trois choses que j'ai dit tout de suite. Tu sais ce que tu recherches. Et que ta pensée a accroché à cela. Et que tu utilises les opportunités. Dieu se tient au rendez-vous. Et il intervient dans le désir de ton cœur. Quelqu'un a reçu de l'onction. La douce main te permet. Tu sois plus que vainqueur. La peur fait que ce qu'on aimerait faire, on ne peut le faire. La peur pousse à l'inaction. La peur pousse à l'inaction. À nos fonds. Tu as peur. Les nous camé. En quoi? Les nous bantons. La première des choses. Mi fon abe. On a peur parce que. La peur qu'on vous dise non. Demain il va pas donner baga on noir. Peut-être on me dira de ne pas faire l'acte. Vous pouvez poser l'acte. Ma va chiter pas y mêler. J'ai peur pour être stagnant à mon lieu. Allô, nous là gavant fond de ouch. Ou bien la chose serait pire. Donc peut-on la peur de ne pas réussir. Elle est fondée. Ne y on noir noir magnon. Tu as peur de ne pas réussir. T'as quoi y aller yobé. Cette rencontre interpelle. Chok bedia. À partir d'aujourd'hui. Fond le normal. La peur est normale. Voir. Mais. Chiter na dogo fond. Lève-toi et affronte la peur. Et que domine ben nous cette peur afin que le désir de ben ton cœur tu puisses le réaliser okay, ton nom et be. Que l'ennemi sache que l'Éternel est de ton côté et que tu saches que c'est l'Éternel que tu adores. Wow. Tu m'entends, acclame le Seigneur. Au quatrième point, la peur du risque. La peur du risque, je ne veux pas essayer. Cinquième point, la médecine. Si je fais sick, si tu es un leader, et les résultats seront une bénédiction. J'enlève la peur et l'esprit de faillite sur ta vie. Aujourd'hui, tu recherches quelque chose. Tu veux devenir grand. Tu dois enlever la peur de ta vie. La peur d'être ridiculisé.
on va me honnir. Ce vestir, on va me utiliser. J'aurai la honte, la lèpre. Ceux qui ont eu la honte, c'est eux qui sont devenus une bénédiction. Qu'on te honnisse pour que tu réussisses. Tu m'entends, tu as reçu la grâce divine. La peur de l'inconnu. Les médisants sous les propos des inconnus. Il y a quel problème? Pourquoi veux-tu être stagnant? Pourquoi ne veux-tu pas oser? Tout le monde est béni ce soir. Et donc on va commencer la prière. Tu dois savoir que ce sont les éléments qui bâtissent ta vie. Alléluia. Tu dois savoir. Tu peux avoir peur. Mais que la peur ne te stagne pas. Amen. Si tu m'entends, dis amen. Et donc les victorieux, ce sont les gens qui emboîtent le pas. Ils ont la confiance. Ils sont positifs. Ils réussissent. Les gens qui emboîtent le pas. Tu dois avoir confiance en toi-même. Ta pensée doit être en conformité. Le désir de ton cœur sera réalisé. Tu dois demeurer ainsi et permettre à Dieu d'intervenir dans les choses. Demeurer ainsi et permettre à l'Esprit de Dieu d'être en action. L'Esprit de Dieu, la main de Dieu pour toi. Les gens qui ne réussissent pas, ils sont sur place, ils sont en train de méditer. Ils sont de leur regard, comment vais-je le faire? Ils sont des doutes sur le résultat. Ils sont des déceptions par avance. Ils sont des gens qui échouent. C'est ce qu'on appelle l'échec. C'est ta responsabilité. Lève-toi et dis. Si tu veux que Dieu le fasse, dites à Dieu l'onction qui repose sur la vie, qu'on confronte la peur. Je veux recevoir cette onction. Élève tes mains. Dis à Dieu à partir d'aujourd'hui, l'esprit de crainte ne sera pas un fétiche. La peur ne sera pas une pierre. La peur ne sera pas un obstacle. Je suis plus que vainqueur en toutes choses. Toute chose me fait peur. À partir d'aujourd'hui, quelque chose me fait peur. Je vais le rencontrer. Je vais le dominer. La peur, je te vis au nom de Jésus. J'arrête tes œuvres. Si je veux faire quelque chose, j'ai toujours peur. Je ne peux pas aller de l'avant. Esprit de peur. Esprit de peur. La peur du Togo. La peur de ma vie. La peur de mon quartier. La peur de la vie. La peur de la vie. La peur d'un propos. Je vous arrête. Hey, je vous lis. Vous ne le Jésus Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel glorifie ton nom. Éternel. À partir d'aujourd'hui. La peur ne va plus me lier sur toi. La peur ne va plus m'amener en arrière. Et à propos des gens qui peuvent rendre. Togbera, come on. Togbera. Les propos des uns des autres, mes pensées, je peux lier sur place. Je ne vais plus avoir peur. À partir d'aujourd'hui, je vais le faire. Et cela va se réaliser. Nous les choses qui me font. Qu'il rencontre la flamme de Dieu. Qu'il rencontre la flamme de Dieu. Je prie cette nuit. On m'appelle Bénédiction. On m'appelle enfant. Je vais essayer. Et je serai plus que. Avec le nom de Dieu, ta corrompée, éternel. C'est toi qui me donnes la victoire. Élève tes deux mains. Père éternel, je prie et je te remercie. Quelqu'un a élevé ses mains. Et que ton sang coule sur sa vie. Je vois le sang de Dieu jaillir sur vos vies. Le sang est en œuvre. Le sang est en œuvre. Papa, les souillures cessent leurs œuvres.
le cœur avec laquelle on a peur de rien. Quelque chose est vrai, cela deviendra une bénédiction. Que cela se réalise pour que tu puisses. L'Esprit de Dieu est posé sur le toi. Le nom puissant de Jésus. Acclamons l'Éternel. God, you're so good. God, you are kind. God, you are wonderful. I love you. God, you are so good. God, you're so good. God, you are so kind. Amen. Bible le grand tempo mabena. Tegbe Sophie fiaso le ma fama fo. Ya jo no apeti. Amen haleluya. O la kenu ato grabe. Apeto ponye o dola di. Eye na jira mbena. Ni apena no muko me da tegbe. Le Jesus Christ vo kame. Pasipe ato gbera. Apeta me le dogbera fesa me.
Amen, alléluia. Amen, alléluia. Quand vous savez, il dit. Dis-moi, on est le Yesu fait comme. On a la tombe là. Tu as bien dit. Hey, il y a un animateur. Il y a un animateur. Il y a un animateur. Ne me y a si à mea. Après ta yiram. Ne me y toi mea. Après ta yiram. Le nyapou me mea. Après ta yiram. Le togobe tchou mea. Après ta yiram. Me tok bra le sa mea. Mais lui, mais c'est quoi? Et lui, mais quoi quoi? Et toi, tu te le vois demain. 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 Mais bon, dans les hauts contrôles, il y a là. Mais bon, on contrôle, il y a là. 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 Et dira mes rentis. Et dira mes rentis. Edira Mereti, Edira Mereti, Edira Mereti, Edira Mereti, Edira Mereti, Edira Mereti, Edira Mereti. Le Yesu fait comme. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bonne novio be wa fe ko ya yira. Tu as à ton prochain ta maison et la bénédiction. Donc élève tes mains. Ba le voir. Je me tiens dans le sang. Aye, ba le pon. Et je parle. Et c'est une proclamation qui impacte une vie. Maintenant, je te proclame. Et je prophétise. Jésus-Christ a dit que les personnes de sa maison sont nos ennemis. Même Dieu dit que ton corps est sa maison. Et s'il en est ainsi, si ton corps est le temple de l'Éternel, je prie pour toi aujourd'hui que ta maison va résider la bénédiction. Toutes les bénédictions charnelles, toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions de l'âme, je l'ai délié pour que cela intègre ta vie. Si ta chair a besoin de quelque chose, je prie maintenant. Et je prophétise sur ta vie. Tu ne chercheras pas en vain. Si ton corps se soulève contre toi, si ton travail veut te tuer, si ton oreille veut te tuer, si ta main se ligue contre toi, si les membres de ton corps se soulèvent contre toi. Hey, no, I want you. Alors, on y a un petit peu de temps. Si ton prochain homme ou femme se soulève contre toi, ben, il y a un grand tombé là. Pour détruire ta vie. J'arrête l'heure de mon nom de Jésus-Christ. Maintenant, la poésie déclare que ton corps soit une bénédiction. Toute chose que tu touches avec tes mains, tout ce que tu fais avec tes pensées, nous avons un je les délivre dans ta vie. Si tu m'as entendu, dis amen. Tout ce que tu recherches dans ton corps, tout ce que tu as dans ton âme, tout ce que tu recherches dans ton esprit, c'est que nous les délivrons dans ta vie. Et tu as dit que ton corps pour détruire ta vie. Je les arrête au nom de Jésus-Christ. Hey, ne on nous donne à des agbrats pétomena. Ta bouche
veut détruire ta vie. Mais toi, tu es le Yes Ben Kamer. Tu es le nom de Jésus-Christ. Et la bénédiction de l'Éternel intègre ta vie. Et le secours vient dans ta maison. Et la bénédiction vient dans ta maison. Quand son corps déchire, Amen, alléluia. Deux Corinthiens 9 à 8. Amen, alléluia. Corinthe tofe agbala evelia ta ache ke ku enyilea. Ke un seul le ma aussi bena. Amen veve katana gbagunam. Bena mi apo agbo so blibo la katana le nusi anu medas. Eye mi agbango awo do nui si ado nui. Amen. Amen. Amen rene po apere e ho ale ka popo sia. E la be ya yira te onye. E ba me nu fe fi asoko na wo ale pepe. E ya ta le ka popo ya mi aye chi mi ato pera. Be apeto pre wo amen nu fe la iram be ma wo nunana gawo le wo akadome. Le Yesu Kristo pe nkome.
to peda le kapo posia Jehovah ne no epa menu fefe benana wa yirao benana so ebe to le epa kato me Jehovah ne cho baba nu fefe so yirao asinu to wo ne cho epa menu fefe so yirao asipa ne cho ba menu fefe so yirao chochope ne cho ba menu fefe so yirao chome ne cho epa menu fefe so yirao chochope apeto me le petonda be pia cho mo gba gbo be cho wo amenu fefe yira fi o yira o pa sinu to wowo Jehovah melepe tonda eye me pia cho mo gba gbe lapo be yira fi o pa sinu to wowo yira o pe to po kata yira o pe nu popo to wo amenu fefe la me apeto eye melepe tonda be nu sike che na o la menu fefe la ta Jehovah ne cho ba menu fefe la yira o Jehovah ne cho ba menu fefe yira o nu ti la Jehovah ne cho ba menu fefe yira o popo Nature pa menu ve yira o lufola le Jesus Christ pe comme Jehovah nature pa menu ve yira o tadako o le Jesus Christ pe comme Jehovah melekwe tonda becho o amen ve so yira mi be pome o le Jesus Christ pe comme apeto melekwe tonda me becho o amen ve kama cho yira mi benami aso o nade le o agbado me benami aso tu o agbado benami aso like o agbado ne ju ko wa chesi be we Jehovah Jehovah me to peda Be yiramia basinu to wowo Jehovah yiramia betopo Jehovah yiramia benu popo bena tepesa tepe miado ne mi fonula nukuru ne cho ya yirane fa ko ile Jesus Christ ben come Jehovah mi to peda be yiraju ko bena le gododo siomea nukuru ne cho la mo pa peme no wa jesi le Jesus Christ ben come Jehovah mi prono be ape le Jesus Christ ben come amen hallelujah ma po Ma vie de basse le chile capoposia. Quand les toits tu pourrais pas on a metto pour la mettre à pé. Jehovah le wonya plein les problèmes ne bien la appeler là wa yirami. Ne bien le twame la wa yirami. Et yene mi va appeler la wa yirami. Jehovah me be yira viola siame. Yira o le fomi ame. Yira o le ko ame. Yira viola sukulu poji. Yira o le tusi atume. Ne wa chesi pe we Jehovah. Mi ya be ya yira to ene. Jehovah be prepare le mianu le Jesus Christ pour comme. Amen alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sodu si passi d'aller au tamé. Impose toi les mains dans la foi. Dans la foi, l'Éternel même t'impose les mains. Et que c'est l'Éternel qui t'a choisi. Que tu sois une bénédiction. Que la grâce surabonde sur ta vie. Tu auras de l'argent en plus que le travail que tu fais. À cause de la grâce. L'abondance se reposera sur ta vie. Tu n'auras pas la bénédiction selon la mesure de ton travail. Alléluia. Amen. Ta bénédiction sera plus grande puisque tes efforts. Les bénédictions qui vont venir dans ta vie seront plus grandes que les efforts que tu fais à cause de cette grâce. L'Éternel m'envoie te dire tu seras plus appelé délaissé. Tu seras plus appelé maison abandonnée cette nuit à cause de la grâce. Tu es appelé bénédiction. Qui a appelé l'arbre qui est planté au pot de poudre. À cause de la grâce, rien ne pourra plus t'arrêter. Les pierres sont brisées. Les liens sont brisés. Tu dois voir plus que ton âge. Vois plus que ton âge. Vois plus que ton salaire du mois. Tu dois voir plus que le fonds de commerce. Recevez le souffle divin. Laissez qu'on y a foi si nous n'ayons pas. Je m'en compte. Si à ton projet, la bénédiction sera miraculeuse. Mais comment la regarder ou à ton café que tu me nous. Comment ça? Prenez la. Pour nous, oh, y'a ira là. Tu vas avoir plus que ta bénédiction. Amen. Amen. Jehovah from a blown a bee. Hey, yeah, go on. Casino door. Casino door. I'm back by my day. And I'm a porto yo yo katutu. Yeah, go on. I'm blown a bee. And I'm a porto yo yo katutu.
Dans le sang. Abba apostolo. Comme apôtre. Amen, yotia. Celui qui a été choisi. Alors, yotia, le temps à toi. De la manière dont cela s'est opéré au bord du tout monde. Pierre a fait en vain. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus a dit de le faire. L'abandon, ça a été fait. Maintenant, je prie. Donc, commerce que tu Jésus fais. Jésus te dit d'entreprendre ce commerce. Que l'abondance s'y trouve. C'est le travail que tu fais. C'est l'Éternel qui te le recommande. De la manière dont Pierre a eu de l'abondance. Reçois de l'abondance dans tes mains. Mais tu es élève. Jésus-Christ qui te recommande d'étudier. Reçois l'abondance intelligente. Celui qui se tient dans le temps. Celui qui est Togo. Et il est sous l'onction de l'apôtre. Celui qui est en Afrique. Celui qui est dans un pays européen. Celui qui est aux États-Unis. Je prie maintenant. Hey, à quoi nous offrir? Tu vas voir plus que ton âge. Tu vas avoir plus que tes efforts. Tu vas prospérer plus que Pierre. Je proclame que tu quittes la petitesse. À partir d'aujourd'hui, le travail que tu fais, c'est pas toi qui le fais. C'est Jésus qui t'ordonne. Et dans l'esprit de Dieu, te conduise dans ton travail.
Le Zayano dans l'Itapenao. C'est une récolte de champ de poste. N'ayez secrétaire le domaine. C'est secrétaire dans le travail. N'ayez secrétaire dans le domaine. Quand on te donne un salaire de plus. N'ayez nous quand on quoi le faire faire. Si tu as 200 000. Mais bon, y'a ni dans où tu y'a ben. Je peux dire que tu as visé ça. Tu es bédia. À partir d'aujourd'hui. À sa bounéne. Tu vas vendre plus que cela. Le yes. Souvent comme. Au nom puissant de Jésus. Non, 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 toi, haklo. Les gens en qui tu n'espères pas qu'ils fassent ta compagnie. N'ayez le domaine. Tu es dans un service. Y'a y'a n'a tiré le domaine. Pour l'abondance. N'a pas t'arrêté qu'à Tina. Pour qu'on te prenne le salaire. À cause de toi seul. Mais c'est quand il y a foi, si nous n'avons pas. Tu m'entends. Donne la vie au baisse. Dis à ton prochain. N'oublie pas l'Éternel. Cela va se réaliser dans ta vie. Donc, comment vous dites? Rappelle-toi de l'Éternel. Amen. Dis-moi Amen. Au single, au single. Single, single. Single,
Une métamorphose. Maintenant même. La métamorphose. Ça commence. Et par la foi. Et je décrète. Et je déclare. Que tu es la santé. Et ta santé est irrévocable. Je déclare. Et je décrète. Par prophétie. Que tu aies la bénédiction. Ta bénédiction est irrévocable. Je déclare et je décrète que tu es un gagnant. Au nom de Jésus-Christ, par la foi, il y a quelque chose qui se produit maintenant. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Et Dieu est en train de financer ta vie. Un financement divin. Hey, un financement divin. Ça commence dans ta vie. Un financement divin. Une abondance divine. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Rakama sunda rabakata ya. Rikama sunde brukoto ya. Alléluia. Amen. Daddy, you butter my bread, oh. You sugar my tea. You cover my tire, oh. You bless me, nyafu, nyafu, oh. For all the so-so things you do for me. Oh,
for all the so so thing to do for me. Oh, when I count your blessings, oh, I need them all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I cannot count them all, oh, Baba. Hey, I cannot count them all. Meti be my dark way. Come and see, oh, come and see. Ha! Somebody needs to come and see the blessing over your life. Ha! Oh, come and see, oh! Here we go! Come and see, oh, the Lord. Come and see. Come and see, oh, the Lord. Come and see, come and see. Come and see, oh, the Lord. What the Lord? Amen, alléluia. Mais quoi? Fida n'égoua, mais quoi le que famille de Dia? Enéa, le chiffre 4 veut dire puissance. Le chiffre 4 veut dire puissance. Et yata,
Eyata, nous sommes assis aux Zayami. Nous avons un peu de temps. 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 Nous avons un peu de Et nous si on tient nous à Yahweh, à sortir du pono les amis. Le Jésus Christ vient comme. Non, ouais, c'est une malade mais non. Le Jésus Christ vient comme. Et à ta poisson, mais quand les canards tu poses les amis. Alléluia. N'y a pas bien rien. Là, le Psaume 90, versets 14 à 15. Salut, on va agir la table à chercher. Tu peux oui et ne plus oui à ton lien. Toi, où amène vous votre pona mille undi. Et que ma. Mieto asseye eye mi apojizo le mi ape nkeke o katame amen obaso amen 14 a 15 dodizo nam mide hiyi sinetemide anyi ple fesio me jogbevu dikpemi la nu amen amen hallelujah amen bonen ovio be amen bebe bi onye amen amen bebe bi onye Et à ta Yahweh, y'a ça, mais nous devons sortir du pono les uns amen. 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 Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que nous avons dit les uns amen. Après toi, il y a mis un vieux. Maintenant, nous si on peut nous donner, nous avons mis là. Nous avons dit que nous pouvons donner les Yesu pour nous comme. Amen. Je peux me donner les Yesu qui sont bien comme. Après toi, Ya vio ya mi bena nous si open benedona mira nous si open benedona mira nyanyo wa be dome le yesu so ben come jehovah me le be donda le yesu so ben come me bi so asio o mon gbagbe jehovah mbe gamesu bena ya mi vio nyamba si re ji jehovah mbe ya mi bena nous si ben gbele dona mia ba gele me ba gbe me la me se ben gbele dona mia nya ho le yesu so ben come papa mbe ga papa ben gbele dona mia mbe ba su mia to le yesu so ben come jehovah nye gbe dona le yesu so ben come mi bi so asio o mon gbagbe nya mi sa vio mi va ho nku me mbe o me gbon la dana o e nous si ne gbon la e po na me va va e ngbe si o dona la e va na me ba gbe me e ata le zan amen Mbe si odonami, benemi yela iramila, mini tote no wame, mi biosa si o mong bakbe, ya iraben be si odonamia, ne veme le yesu kiso ben kame, ne veme le nyebakbe me le yesu kiso ben kame, ne veme le yesu kiso ben kame, Jehovah, me dokbe la le yesu kiso ben kame, ne biosa si o mong bakbe, ya ya, benbe si odonamia, lambese benbe donamia, mkagbe de debegwe si odonamia, gicho benbe si odonamia, Jehovah le zayamia, ne zumiato, ne gelo mi bakbe, Le Yesu Kristo ben kame Jehovah eh me le gbedon dale Yesu Kristo ben kame me bi so asio mo ngbagbe ya ya pe ma we le yin ya ya ben gbedonami on gbo me mi ayi mi afan vio o be mi ayi mi apo jijo e ta fifi raira me dogbera ya ya de siade gele to no pe va se to no hope je he va se ra nyere ne zumi ato le Yesu Kristo ben kame ne zumi ato le pomi ame ne zumi ato le kwame ne zumi ato le twame ne zumi ato le africa papa no bi ni atase le Yesu Kristo ben kame bubu no nko ganda Afuka fwa kwenye deje non Akpe non papa Bele wewe ale mi bio Le Yesu Kristo ben kome Amen aleluya Amen aleluya Amen aleluya Ke kwa wastyo iji Ma ou kan leto amen nouve la fofo Bubu kafuka fwa kwenye deje na ou Ou osinye yayra pe ma ou Ou osye blona Yebe veneme Ou donk bena mi be la yirami Jehovah eh mi va won ko mi mi komi asio idi ya ya ben gbe odona mi la papa ne gelo mi ba gbe mi zan mi le Jesus Christ ben komi Jehovah ogbona mi le o nya me be ni ola nya tiki ranu to lato ye kuri di be ga mi han la me ba ma gbe ma lu apo gbe le o ne donc sous hon la papa mi o mi asin mi anyi vide ne yi ya le Jesus Christ ben komi ti po me dogbe la le Jesus Christ ben komi ogbon be ne mi ya la ya mi ne mi gbo la ya mi ya ya ben gbe ko do ani po mi baba le mi ba gbe mi le Jesus Christ ben komi obe ni mi asin apuga afia iyo mi papa mbe ya ya ben gbe odua papa le po mi baba le mi ba gbe mi obe mi anon pon ti gba ku mi be vio le Jesus Christ ben komi papa nya si o ne gbon la ne po mi baba le mi ba gbe mi le Jesus Christ ben komi me dogbe la me bi Asio mi papa o e so na mi ami so na nu gan e yata fifi raira me dogbe ra ni nbe nu ona de nbe azon zonzon nbe nu popo nbe nbe nu popo nbe ade
yabe ho aho me benu sene era na ya yabe ngbe ko dona mi ma point va voir mais toi te ro huami le Jesus Christ ben coming me bien ye ho a mausi benu sese anuse que la ti to do mi yabe yaganti grace ti me ben ngbe do dontia Jehovah le do ko nuse le Jesus Christ ben coming me po nu mbe ma o we gbonbon si ti na ngbo do me na nu e be do na ntina le do ntina mi ba gbe me le Jesus Christ ben coming e wanta mi zo ndi rula e wanta amen be vie vie mini et wanta et nous si mien papa wa et la dogo mi ne me mondi le Jesus Christ ben kami mi hey le nom me mami le Jesus Christ ben kami amen papa gane kana Jesus là acclame Jésus on est l'envie ben apostle Lodas ya gbalete si à ton prochain l'apôtre a signé le décret. Who has the final say? My master has the final say. I said, who has the final say? Jehovah has the final say. Can you say it? Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. Makes a way where there is no way. Jehovah has the final say. Hallelujah. Voici on jour levé. Belle la gloire de la gloire nous là. Dans cette prophétie de la Bible, ce que les sauterelles ont volé, je prie pour une restauration dans ta vie. Ce que la mer a englouti, ce que la terre a englouti, ce que l'ouest a saisi, je prie maintenant que cela intègre ta vie. Maintenant, ce que 2016 a volé de ta vie, ce que 2015 a retiré de ta vie. Les choses qui ont manqué ou sont retracées de ta vie. 2014, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 1998. Les sept années passées, ce qu'on a volé dans ta vie, je prie maintenant 2007, sois à mon écoute. Ce qu'on a volé, qu'elle soit restaurée. Ce que tu ne peux pas avoir en 2017. Mais bon, il y a cela se passe. Ce que tu ne peux jamais voir. En cette année 2017, ces portes sont ouvertes. On te livre que cela intègre ta vie. Maintenant, le mystère s'opère dans ta vie. Et que l'on lui dise quelque chose s'est passé. Les idoles ont cessé leurs œuvres. Ce que tu as demandé à l'Éternel. Et qui t'a accordé, mais tu n'as pas encore. Je les délivre que cela soit présent dans ta vie. Que les pieds soient brisés dans ta vie. Que les liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Cela retrace quelque chose dans ta vie, qu'elle soit restaurée. C'est l'Éternel qui l'a accompli. De la manière dont la prophétie est sortie pour Abraham, regarde en arrière. Et quand il a regardé en arrière, il a trouvé sa solution. À la fin du culte. Et tourne en arrière, tu dois rapporter la bénédiction. Après que le peuple sache que c'est ton Dieu qui est l'Éternel. Amen. Tu m'entends, dis amen. Recevez le souffle divin. Amen. 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 Voici une des canapés toi dans le sermon. Voici nous n'est. 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 Voici nous n'est.
Voici nous n'est. Voici nous n'est. Voici nous n'est. Ce qui te bracata brosokotoro bracata la babé. Bisonda la kababé. Bayonde rikabaro kotoro brashikete rebrakata. Alléluia. Mon peuple va boire la gbadom le samé. Paye à Théoto la nique ban itinele. Beble panique ban itinele. Boussou panique ban itinele. Et samé. Trotrok patadagere wakpeme. Trotrok patadagere wakpeme. Ne sok, bien, merci, bien, pour nous aller. Et ça, pas de balai. Tabla dévore quelques amandrin lia. Et ça, pas de balai. Tabla dévore quelques couilles adrin lia. Le wopé un peu effet. Fokli. Ple wopé flododo. Signe wopé gomme tala. Wahote fedodo evenu. Le wopé anigwandi. Eye wak potito tekbe. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. C'est peut-être là. Maunye, tu es petit. Nous pouvons vous donner ma gagne, n'y a gomme o. Que, bodire faire. Que, n'y a gomme, n'y a amen, veve, yaira, lamesin, ticho. Ntifafa, gapopo, ple à possosso. Le Yesu Christo fait comme un topera les amen. Tonne bena le same il est beton da bena peuple fototo makanye pe komo nou peuple fototo e pousuba makanye pe komo ke pou nou nye pe komo e yanye la mesé tolele makanye pe komo a ketata makanye pe komo e nou ti mako makanye pe komo e nou pya ma ho makanye pe komo le same pou le same nou nye pe komo e yanye yahira e yanye la mesé e yanye menvefe e yanye ntifafa e yanye kapopo e ni ticho e ya nya kwa soso ni o nye pe koma le same e ya ta le same il est ton dans les same pe na fodo ton pour les pas même nous pe ne pourra les pas petit e pour sou on ne pourra les pas petit patan pla hovio notre les pas petit ne kaya ne pas petit a e ya nya mo pa men vefe e ya nya mo pa me ta popo e ya nya mo pa ticho e ya nya mo pa ti papa e ya nya mo pa tutore ti mo pa men vefe ple petit kokwe ya pa nkuma pa kekle e ya la no ichi e pa misisi kama et y'a la noiti, et ça m'en kekeme, et y'a la ploïdo kasiya kame, y'a pas alili kwe la ploï le wokatame, donc bera le same tuene, pena y pe kome, y doli pe kome le same, y pe kome y nyek bekule, y doli kwe tisho le same, y doli kwe ntifafa le same, y doli kwe ngobwe tete, le same. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Tcho wasi dare tame. Eye na choi kokome. Ela bena Yehua moka. Eklone Joshua bena. Netone e Israel yo bena. Eji te pon pe di dalo pakwichi. Le same. Pou me pon pe. Me kwa cholo wakwichi. Pou me pon pe. Me kwa cholo wakwichi. Tolele isu nu pele wakeme. Tolele isu pele wakeme. Me nyope kame cholo wakeme. E nu masa e tamato. Et nous avons un formateur, et nous avons un pays. Et nous avons un pays. Nous avons un pays. Nous avons un pays. Kamesu. Pena kametimo, on est fifilay. Kokutimo, on est de kao fifilay. Pele same, amlima le totol wapeme. Nukunu le totol wapeme. Tolele mekanye wokome. Lamese nye to. Ntifafa nye to. Joigne toi, te donne tes nettoies. Après toi, ma bonne pour toi, pour ton neveu. Et nous dis ma part, ils ne peuvent pas voir comme moi. Ou mais au dialogue, mais l'entio. Ou mais au dinapao. Et que vous m'avez pao. Pas de mokata, mais toi, le same. Et que le nettoie, mais si c'était à le nom, le pas, mais si c'était à n'a pas dit ton nao. Pé au con, que tu le tio. Ou après non, non, et il ne peut pas voir comme moi. Mais quoi, tu le same. Ou t'as ta foudre, il ne peut pas voir comme moi. Aye, ma thing ba at tole moa. A nya gradi tono le same. Pene tole me. Ne tole me. Jijo, eva na le same. Le Yesu Christ open come. Amen. 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 Recevez le Saint-Esprit. Je signe le décret. Dis-moi amen. Nye mati e me o Ase si a leg me gbe ha Ka ke ma konu Si a be Nye mati e me o
O Seigneur, obé a mero nan, esun o se o nan. O ro o po gareji, wa me bubura, ele o silo, e yo la na, o gbe nana. O e ko na o po wa trozun. Mun ko se be zaya, o la chanjo gome. O la chanjo gome, la dubra tu la peto be apeto, to na na pe jinam. Bena mazun ya yira dale Yesu Kristo ben kome. Na na be ji, e ji yo so na na noa. Let's all not be as you are the yes, good so ben come. I put up a little bit of a maybe also a siome. Bem nana beti. Eti yoso dana nu. I put up a little bit of a zaya. Bene so a single yes, good so ben come. Quacotome, quacotome, le bedora. Maybe also a siome. Eti yoran anufa. Quacotome, le bedora le zaya. Maybe also a siome. Bene so non desile zaya. Le yes, good so ben come. Quacotome, quacotome. Le bedora di pobe bio so asiome eti e yo so so na nku ti chua kwa kwa tome do brale saya bene so asinya la ne ma do ko le ke sino lume ne ne so asinya ne ma ni ke sino to ne yes ki so ben come kwa kwa tome le bedora me bio so asiome be eti e yo so na na fa eti e yo so na Enu yo mena ma kwa be fetu le yes ki so ben come enu yo mena va ya kwa kwa tome le bedora le saya ma kwa be fetu le yes ki so ben come kwa kwa tome le bedora me bio so asio me e yo ka ta me wo va yi a beto le saya ma kwa be fetu la o we tu na fe a papa we tu na fe a kwa kwa tome dogbera e yo mena pri di le yes ki so ben come amen haleluya ma o do me yo to me subo me toro ti le saya Mau makuma kuplema u matro matro lenye le zaya juko o tanyo gome o so asio roji le zaya be di o so nana nuku tijua e yo bio le zaya be to gbra beno suwo sile yes ku so ben come wa ro wa nanu to me fale yes ku so ben come e ti o so one ku vivi se sia kwa kwa to me le gbedora me bio so asio me beno suwo si le yes ku so ben come me kwa so amele sile zaya e ti o so nanu fa e so amele sile zaya Il n'a pas le question, mais le Christ est sous bien commun. Amen. 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 Merci à Balete. J'ai signé. No catalan yo, no catalan yo,
Amen, alléluia. Voici Père Kana Christo. Amen, alléluia. Amen. Tout semaine, ben réveil que mille ouais laisser tout de quoi mille ouais. Amen. Que mal et non ben à quoi moyen. Avec mention très bien. Amen, alléluia. Amen, alléluia. N'y a pas n'y a pas moyen rien. Les proverbes 8 verset 20 à 21. L'odo do fe agbanleta eni. Quick quick la veva se reva la veva de Kelly a dit. Jojoye nye fe modi zom mele. Ple nu jojoye fe tofe. Ne manna ke sino nu ame si o luam. Eye ma de nu nu jira ro fe na wo fun. Amen, alleluia. Amen. Tema dogbe rabe na afeto likem de jojoye nye ple nu tepe wowo. Fe modi be na ma ho nye ke sino nu o le Yesu fe nkomen. Afeto mi le gbedon da le Yesu fe nkomen. Alléluia. Ben amaho nyeke sonu madru ne poto maso dare enu jira rofe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Problème ase. Problème afeto. Ya. Likem de jojo nyenye plenu tepe o pe moji. Mhm. Ben amaho nyeke sonu adu wa poto. Wa poto maso dare enu jira rofe. Le Yesu ben kom. Amen. Afeto mi le gbedona le Yesu Kristo ben kom. Apeto likem de jojo nyenye plenu tepe o pe moji bena ma ho nyeke sinonu adu wa poto ma choda le grajarope le Yesu fe ngome Jehovah mogan mi le gbedona le Yesu Kristo fe ngome papa likem ire jojo nyenye plenu tepe o pe moji bena ma ho nyeke sinonu madu wa poto a cho dale ga jara rope le Yesu ngome amenu vela mi le gbedona le Yesu ngome like mi re jojo nyenye plenu tepe o pe moji bena mi a ho mi pe ke sinonu o mi adu wa poto a cho dale ga jara rope le Yesu ngome maudo me nyoto mi le gbedona le Yesu Kristo ngome apeto like mi de jojo nyenye plenu tepe o pe moji bena ma mi a ho mi pe ke sinonu o mi adu wa poto a cho dare ga jara rope o le Yesu ben gome. Amen, alleluia. Cho wasi dare jiji jifo mi do pera mi de ape e wenye nu tepe ola mi de ape no le san amen e na mi nya le wonya me bena bena ya cho ke sinonu na mi ame o vona o e ya jira nu re mi ape nu jira rope o le san amen a Apeto mi awe fona o. Juko ya awe fona o. E yo vak bole zan ya me Jehovah Morgan. Be na choke sronu na yo. E na jirande yo penu jirarope o. Le Yesu pengome. Apeto e be na ame yo fona ila. Ya jira o. Me dok bera le Yesu pengome. Be o Jehovah Morgan be ya jira. Apeto ne vak juko ya oji le Yesu pengome. Juko ya wa dunu. E wa poto. Wa ko jare wa benu jirarope o le Yesu pengome. Benane kuri ripe game doa apeto wasen yirawo Jehovah Morgan be watu agbado yirawo ba meyo pohla wa wapo o ga nyenye le oji le Yesu Kristo fe ngome. Amen, hallelujah. Banque o kata ile togono ke toro senu the bank écoute bena maule dakara oji na mi que Dieu vous donne en surplus do wo do go do wo ti a pe wo kata de be fa me ye soye fia do wo 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 do wo do go do wo ti a pe wo kata de be fa me ye soye fia do wo wo Tobo, 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 Tobo,
Amen. Acclame très fort Dieu. Nous sommes tous dans une grande joie. Et Dieu veut glorifier son nom dans nos vies. Bientôt. Un mystère va se réaliser. Un grand mystère s'accomplira. Il y a un mystère qui s'est passé dans la vie d'Élie. Dieu voudrait le rencontrer. Et il y a eu des tempêtes. Dieu n'était pas présent. Dieu n'était pas présent. Il y a eu la flamme, le feu. Mais Dieu n'était pas là. Mais il y a une voix qui a retenti. Cette nuit, cette voix va retentir. Cette voix retentira. Et si tu entends cette voix, un mystère se réalisera. Si tu entends cette voix, cette nuit, quand Élie a entendu cette voix, et il s'est prosterné à Dieu cette nuit, tu vas entendre cette voix de bénédiction. Tu auras un mystère cette nuit. Alléluia. Amen. Novigné. Mon frère, concentre-toi. Dieu veut te rencontrer cette nuit. Si Dieu te rencontre, tu auras ton désir. Tu peux avoir 50 ans. Tu peux avoir 60 ans. Alléluia. Le mystère que tu n'as jamais eu, Dieu va te rencontrer cette nuit. Es-tu prêt? Dieu va te rencontrer cette nuit. Mon frère, es-tu prêt? Comme Élie, tu vas recevoir ta part cette nuit. Tu recevras ta portion cette nuit. Tu vas recevoir ton mystère cette nuit. La voix a retenti. La manière dont le vent a soufflé. Et Dieu était présent. Cette nuit, mon frère. Cette nuit chrétien. Alors entends cette voix. Et tu vas recevoir ton désir. Ce pourquoi tu es présent, tu le recevras. Ce pourquoi tu es en train de te lamenter, pleurer, tu recevras. Tu vas recevoir ton mystère. Tu le recevras. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta part. Reçois le désir de ton cœur. Reçois ton miracle. Reçois ton mystère. Reçois ton miracle. La portion, l'héritage venant de la part de Dieu. Ce qui t'appartient. Ta portion, tu le reçois. Au nom de Jésus-Christ, tu le reçois. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta portion. Tu le reçois. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un mystère s'accomplit. Un mystère s'accomplit. Un mystère s'accomplit. Finis tes pleurs. Finis l'ignominie qui est dans ta vie. Finis la pauvreté dans ta vie. Finis la pauvreté. Tout ce que tu rencontres cette nuit, tu rencontres la parole de Dieu, le mystère, acclamé très fort Dieu. Nous sommes caïnés. Ali après nous sommes nous sommes à Calédonie.
Kiti katala nubo Ahasya Ahasya Sina toho Wagle Jifo nubo Dana oti Mianti ame accompli ce mystère dans nos vies. Il a accompli pour tout un chacun de nous. Amen. Acclamez très fort Dieu et prenez siège. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia.
Amen. 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 C'est la quatrième fois que nous sommes en train de faire notre réveil. Dieu veut que je te pose cette question. Tu demandes la bénédiction. Et il t'a béni. Il t'a déjà béni. Est-ce que vous avez fait Dieu, bébé? Est-ce que tu crois dans ton cœur? Si tu reçois cette bénédiction, est-ce que tu vas te rappeler de la part de Dieu? Amen. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? Tu dois te rappeler de la part de Dieu. Il a déjà accompli sa part dans ta vie. Tu dois te souvenir de sa maison. Te souvenir de la famille. C'est en ce moment que cette bénédiction va se multiplier dans ta vie. Amen. Si quelqu'un m'entend qu'il me dise Amen. David. David. Il veut bâtir un temple pour l'Éternel. Est-ce que David était les mains vides, sans un boulot? Dieu a dit, tu ne peux pas bâtir mon temple. Parce que tu es un grand chasseur. Alors, ses mains étaient soudées de sang. Mais à cause de la prophétie. Alors, c'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple. Mais David a posé un acte. David a posé un acte. David a posé un acte. Cette nuit. Je veux que Dieu te donne ce cœur. Ils disent David. Et je viens Salomon. Il a appelé son fils Salomon. Et nous, bébé, à toi. Tu veux bâtir un temple pour Dieu. Alors il n'a pas dit que quand Dieu m'a choisi, je vais garder ses provisions pour bâtir son temple. Alors je veux te dire, c'est pas parce que tu appartiens à Misha. Tu n'es pas dans un bureau. Tu ne fais pas partie du conseil supérieur ni ministre. Alors si Dieu te bénit, tu ne peux pas te rappeler de ce temple pour bâtir. Acclame très fort Dieu. 2 Samuel 7, verset 27 à 29. Samuel va dans Vous devez rassembler les provisions. Et il l'a donné à son fils. 2 Samuel 7, verset 27 à 29. Samuel fait que le belia. T'as drin que tu blâmes vos adrés, vas-y le blâmer à chaque énergie. Et la benago, Yehoua, il s'est battu. Il s'est fait maoula, blédé, ou de la fête, tout me bena. Matu honao. Et yata, dido ou de la fo. Wole, bessia, domda, nao. Azon, apeto Yehoua. Wenye mau, et ye, wonya wonye, yate fe. Et il ne glonne nuit si on a ou dollar. Et il y a ta long. N'aura ou dollar fait appel à. Et bien non. Veuille accepter. David n'avait pas tout de quoi ramasser. David était prêt à bâtir le temple pour Dieu. Alors il a demandé à Dieu, veuille donc bénir ma maison. Et cette bénédiction s'est réalisée dans sa vie. Alors il a pu bâtir le temple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bébé. Tu dois savoir. Si tu demandes à Dieu de te bénir, tu dois te souvenir du temple de Dieu. Tu dois te souvenir de ton ministère. Chaque chose qu'on va faire dans le temple, alors tu dois investir. Alors en cela, tu auras la bénédiction. Acclame Dieu. Amen, alléluia. Amen. Notre Père a compris. Alors continue en train de faire le réamène. Il y aura une bénédiction. Amen. Amen. David, c'est comment?
David également a compris. Il sait que s'il accepte pour construire le temple pour Dieu, alors sa maison sera bénie éternellement. Acclame Dieu. Ne wano unkuo metegbe. Ela bena wo apeto Yehowa egble. Eye wo yayira ana yayira ano wo dola pe apela di tegbe. Amen. Éternellement. Yayira pe di tegbe. La bénédiction va subsister éternellement. Et comme il l'ombe. Parce qu'il a accepté. Yayira wa. Que cette bénédiction. Yakseba. Il va la porter dans la maison de Dieu pour pouvoir construire le temple. Mon enfant, cette nuit, je te demande de faire cette décision et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu auras une bénédiction éternelle. Est-ce que tu es prêt à faire cette décision, ce choix? Es-tu d'accord pour prendre cette décision comme David? Es-tu d'accord? Si tu approuves cela, tu dois savoir. Tu as une bénédiction éternelle. De l'éternité en éternité. D'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus, amen. Les yeux soupent comme amen. Amen, alléluia. Amen. Dis-moi, t'es content, maman. Tcha, tcha, tcha. Un chronique. 22, 11 à 14. Chronique à top et à balabanto. Tabla, veuve, oui. Amen. David est le gagnant à Salomon. C'est David qui le disait à son fils. Il sait que Dieu a demandé qu'il ne va pas bâtir son temple. Dieu a béni sa maison. Il a fait une promesse à Dieu. Alors il a accompli ce vœu. Tu dois savoir, mon frère. Si tu fais un vœu à Dieu, tu dois l'accomplir. Amen. 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 Abale si wo glode mu ene Jehovah ana gom se se kule nu nyawo eye wado wo Israel nu ne na le Jehovah wo mau fesela mede asi ne ele dodo kule konu si o Jehovah dona Mose hena Israel vio la mede asi eye ne wo wodila eke ma akpo jojo dogbe nyui sen eye na le direfo megavon Eye ti ka mega tofo o pada mete agbagba posika talent alléluia à la fin ekple enu ko David modale o voici les œuvres que David a accomplies. Il a investi dans l'œuvre de Dieu. Mon enfant, si Dieu te bénit, tu dois investir dans son ministère pour pouvoir œuvrer dans sa maison. Quand tu dépenses et tu épargnes une partie à la banque, tu dois apporter la part de Dieu dans sa maison. David a ramassé l'or. Talento akpe te fe akpe nuku de Yehowa fe kola mu hekpe de akobli kple gaibo si o mele dadame ola unti wo sokpo unto befo ati o kple pe o nuku eye nadi bubuo akpe de wo mu amen amen acclame Dieu pour moi. David me yaira. La bénédiction de David. Dieu a béni sa maison. Alors avec cette bénédiction, il a confié à son fils de pouvoir bâtir le temple de Dieu. Mon frère, Dieu n'a-t-il pas béni Salomon? Il a promis à David de bénir sa maison. L'a-t-il fait ou pas? Mon frère, tu dois comprendre. Tu dois donner une part de ta bénédiction, l'investir dans la maison de Dieu. Ça ne dépend pas du rôle que tu joues dans l'église. Tu dois investir dans le ministère. Tu dois investir dans l'œuvre de Dieu. Tu dois le comprendre. Et tu auras cette bénédiction. Amen. 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 Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Luc 19.
Luc 19, verset 1. Luc a fait Agmalet à Viacheke. Ah non, verset 1 et verset 8. Luc a fait Eye esi wo vayeri hola. Eto meyi. Pupi enyilia. Eye zahe o titre glona. Afeto la bena. Ame zahe o nyike sinoto. Zahe était riche. Mouya koso te yon. Verset 1. Verset 2. Il manque de quelque chose. Alors il a cherché la chose pour le coup. Il sait que la richesse qu'il détient, il doit l'utiliser. Amen, alléluia. Amen. Mon frère, aujourd'hui, toi, tu as déjà confessé Jésus-Christ. Tu appartiens déjà à l'église. On prie pour que tu deviennes riche. Zaché n'a pas encore confessé Jésus-Christ. Mais il est riche. Regardez l'acte qu'il a posé. Eye Zaché au titre glona a fait la bena. Boda a fait un médecin yenouve afana a medaheo. Eye ne medonou le amiaresi jurola medoua te fe nezi ene. Amen. Acclame Dieu. Il sait. Quand il a rencontré Jésus-Christ, sa richesse, il doit l'investir dans le ministère. Jésus-Christ a rencontré plein de pauvres sur le chemin. Alors ce soir, toi qui as confessé Jésus-Christ, tu dois savoir la richesse que Dieu est en train de t'accorder. Tu dois te souvenir des pauvres. Les pauvres sont dans des églises. Tu dois te souvenir des pauvres. Zaché, quand il a confessé Jésus-Christ, il a su qu'il doit utiliser sa richesse avant qu'il ne réussisse. Amen. Que cela soit ainsi pour vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Ta richesse, tu dois l'utiliser dans le ministère de Dieu. Alors Zaché l'a fait. Donnez la moitié aux pauvres. Amen. Mon frère, si Zaché a pu le faire, alors tu es capable. Zaché sait qui le fait. Alors il y aura la multiplication, l'abondance dans sa vie. Quand on rencontre Jésus-Christ, il y a la multiplication. Alors il a posé cet acte. Amen, alléluia. Amen. Mon frère, tu dois te souvenir des pauvres. Souviens-toi des pauvres. Nous les avons dans nos familles. On les rencontre sur les chemins, un peu partout. Mon enfant, mon frère. Alors, sois semblable à Zaché. Imite Zaché. Des gens sont aidés par des uns. Alors quand tu atteins ton niveau, tu ne dois pas oublier ces autres. Tu dois dire, alors ils ont investi en moi par le passé. Alors toi aussi tu dois investir en d'autres. Et la bénédiction sera éternelle dans ta vie. Acclamez très fort Dieu. Amen. Amen. Et en conclusion, il y a un homme qui a posé un acte dans la Bible. Une femme. Ruth 2, verset 6 à 7. Ruth 2. Mon frère. Je te supplie. L'homme de Dieu avait déclaré le fait. Tu ne dois pas être dans ta maison et dire que tu auras la bénédiction. Tu dois travailler, sortir. Tu dois chercher un boulot. Et quand tu l'as, alors tu auras la bénédiction. Je te supplie cette nuit ou bien je t'invite.
Alors que cet esprit soit en communion avec toi. Ça va comment chercher? Comment chercher? Comment sortir? Amen, alléluia. Amen. Ruth va gwanetave pupi ade vasere adrelia. Do la signe nu halawo dikola do mbena mwab nyonu sikle Naomi woto mwab nyigbadi vae eglo na mbena na mafo nu si o jode jode nu bablawo do mele nu halawo yomela apofuna do kwinye ndi ke Ova heti anyi vasere fifia eye azolko ole gbogbom gbogbom de emevie. Amen. Amen. Bipoda se ko diso wukitia. Voici le témoignage qu'on a donné de Ruth. Amen kwa gradina wazebi eva sokande kemia. Le surveillant des moissonneurs, il a déclaré qu'elle ne s'est pas reposée depuis le matin. Amen, alléluia. Amen. Lovie. Mon frère, il y a un temps pour tout. Nous sommes au moment de travailler. Lève-toi et travaille. Ne dors pas. Dieu t'a donné la santé, alors lève-toi pour travailler. Cherche et tu auras. Frappe et on t'ouvrira. Sème et tu vas moissonner. Amen. Alléluia. Amen. Ruth l'a fait. Et bon là. Il a demandé à Naomi qu'elle va aller travailler. Alors il a rencontré son conjoint et elle est devenue une grande bénédiction. Si elle était à la maison, elle n'aura pas cette bénédiction. Si elle avait croisé les bras, elle n'aura pas cette bénédiction. Tu dois sortir, aller travailler pour un emploi et tu vas rencontrer le miracle. Alors, elle est allée pour travailler, elle a rencontré son conjoint. Et elle est devenue riche. Elle a engendré des fils. Acclame très fort Dieu. Levons, nous allons rendre grâce à Dieu. Amen, alléluia. Amen. Dis à Dieu. Je sais que tu m'as visité. Mon désir. Et où est amen. A été exaucé cette nuit. Tu as essuyé mes larmes. La manière dont tu l'as fait auparavant. Et tu demeures le même aujourd'hui. Je sais que j'ai reçu mon miracle. Et alors cette nuit. Alors nous te rendons grâce. Dis merci à Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui l'a encore réalisé. Je vais témoigner dans ce temple les jours à venir, les semaines à venir, les dimanches, les mois à venir, avant la fin de l'année 2017. Alors je vais témoigner. Je vais témoigner, Seigneur. Je dois témoigner, Seigneur. Je vais témoigner. Je dois rendre témoignage. Je rendrai témoignage. Je rendrai témoignage. Je vais témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Je dis merci à Dieu parce qu'il a encore accompli des mystères. Merci parce que tu as achevé toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pourquoi si appelo? Les dogans ne ronamta. Pourquoi si akbelo? Yesu fabu akbena wo. Pourquoi si konekavari ton la di? Le wotogan wo namlo. Pourquoi?